J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Get Ready With Me Festival de Cannes, donc spécial Festival de Cannes. Donc voilà, on a sorti la robe. Pour moi, on finit en beauté. C'est le challenge 100% glamour, chic, où on peut se lâcher. On peut mettre la plus belle robe qu'on a dans notre dressing. Enfin, pour moi, c'est vraiment le challenge parfait et je suis vraiment trop contente. Et j'espère l'avoir relevé. J'espère vraiment que le look, le maquillage, vraiment la totale. Enfin, j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à vous abonner en cliquant juste ici. Vous avez également le lien en barre d'infos. Et n'hésitez surtout pas à aller me soutenir sur la chaîne de L'Oréal Paris. Je vous mets le lien juste ici. Vous l'avez également en barre d'infos. Et vous pouvez me soutenir en commentaire avec le hashtag Team Sococo. Voilà, je compte vraiment sur vous. Sur ce, moi je vous laisse tout de suite avec la suite. Je vous fais plein de bisous. Et puis bah, j'espère à bientôt sur ma chaîne ou sur la chaîne de L'Oréal Paris. Je vous fais plein de bisous. Donc avant d'appliquer sa crème hydratante, on va venir purifier son visage. Pour cela, je vais venir prendre le Tonic Douceur Florar donc de chez L'Oréal. Donc ça va venir vraiment éliminer toutes les impuretés, vivifier la peau, l'adoucir également. Et j'adore ce tonic. Et il sent extrêmement bon. Il sent la rose et le jasmin qui va venir justement apaiser la peau. J'adore ce tonifiant. Ok, donc on a bien purifié la peau. On va pouvoir passer à l'étape hydratation. Donc je vais venir prendre l'Hydra Genius, donc Aloe Water, donc toujours de chez L'Oréal, que j'adore, que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc j'en applique deux pompes, une pompe et demie, et en appliquer sur l'ensemble du visage. L'étape hydratation, c'est vraiment l'étape à ne pas négliger, c'est vraiment l'étape la plus importante. Donc ça va permettre vraiment de prendre soin de sa peau et également à faire tenir le maquillage le plus longtemps possible. Ok, donc on va pouvoir passer au teint. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser l'Accor Parfait. J'adore ce fond de teint. Donc c'est la teinte Sand. Et je vais venir, pareil, en appliquer sur le dos de ma main. Donc une pression suffit. Et on va venir toujours travailler la matière au doigt. C'est vraiment une petite astuce. Voilà, et ensuite on va venir en appliquer vraiment sur les zones les moins uniformes du visage. Donc les joues, le nez, le menton et le front. Donc on part toujours du centre du visage vers l'extérieur du visage et on n'oublie pas le front et le menton. Et on n'oublie pas d'étirer jusqu'au cou pour vraiment éviter les démarques. Donc je vais venir prendre la palette Gold et on va venir utiliser ces trois couleurs-ci. Et j'ai décidé d'utiliser donc des tons assez sombres pour creuser ma paupière. Et au centre de ma paupière, on va venir quelque chose d'assez gris, d'assez clair en fait. Ça va ressortir, cette couleur est juste parfaite pour ma robe, donc vous verrez juste après. Donc on va commencer par unifier sa paupière et je vais venir appliquer le fard qui est juste ici, donc le plus clair de la palette. Hop. Et je vais venir l'appliquer vraiment sur l'ensemble de la paupière sans trop remonter. On va vraiment rester sur la paupière mobile. Donc ce que vous pouvez faire également pour unifier la paupière, c'est d'appliquer un correcteur clair sur l'ensemble de la paupière. Donc c'est très bien. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer donc ce fard-ci. Voilà, c'est le plus clair de la palette. Donc on va venir prendre cette couleur-ci. C'est une sorte de taupe. Donc on va venir le mettre au creux de paupière, donc ça va être notre fard de transition. Et on va estomper un maximum. Tout en faisant des petits gestes circulaires. Donc ensuite je vais venir prendre cette couleur-ci qui est un gris foncé. Et on va venir creuser, en fait on va venir vraiment étirer le regard en mettant un peu de matière juste ici et on va faire des petits gestes circulaires. On va rester vraiment au creux de paupière, on va pas aller jusqu'au centre, donc on va vraiment rester sur le coin externe de l'œil et on va faire des petits gestes circulaires. Donc voilà, faut vraiment que ça reste subtil mais à la fois chic. Donc on va rester vraiment au coin de l'œil. Vous voyez, ça étire tout de suite le regard et j'aime beaucoup faire ça.
Ensuite, je vais venir prendre cette couleur-ci. C'est une sorte de gris très très clair, un peu champagne. C'est une très très belle couleur. Et en fait, je vais venir l'appliquer avec mon auriculaire. Donc, je vais venir appliquer ce fard-ci en faisant des petits tapotements, donc pour éviter les chutes de fard. Et voilà, je trouve que c'est très très beau. Ce qu'on peut faire après, c'est venir appliquer le fard principal, donc celui qu'on a appliqué tout au début. Et on va venir en fait en mettre sur l'arcade sourcilière, voilà, juste ici. Et ça va venir apporter un petit coup d'éclat au regard pour briller de mille feux sur le tapis rouge. Après, bien sûr, vous pouvez mettre de l'highlighter, voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Mais moi, je préfère appliquer un petit fard, ça reste subtil et voilà, ça reste très très joli. Donc maintenant, on va passer au coup d'éclat. Donc on va venir prendre sa palette infaillible Total Color que j'adore. Et on va venir prendre, pour ma part, donc la couleur la plus claire que je vais venir légèrement mélanger avec celle-ci parce que je reviens de vacances et j'ai pris un petit hall, j'ai pris un peu de couleur. Donc du coup, je vais venir mélanger ces deux couleurs-ci. Et en appliquer donc sous les cernes, donc vraiment pour donner un coup d'éclat et aussi pour dompter toutes mes marques de fatigue, cernes, etc. Donc on va venir en appliquer toujours au doigt. Et donc on va venir en appliquer sous l'œil et je vais faire mon fameux petit triangle. Donc on descend mais pas trop. Vraiment donner un coup d'éclat au regard. Je vais également venir en mettre légèrement sur l'arête de mon nez, un petit peu sur le front. Et enfin sur le menton. Et je vais venir faire fondre donc la matière au doigt, mais vous pouvez tout à fait prendre une éponge ou un pinceau, voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Passer aux sourcils, donc pour cela je vais venir prendre le Brow Artist Expert de chez L'Oréal. Donc vous m'avez demandé la dernière fois la teinte, donc c'est le brunet, donc le numéro 107. Dans un premier temps, on va venir brosser ses sourcils, donc avec le petit goupillon. Donc on brosse d'abord vers le haut. Je vais venir vraiment corriger très légèrement, pour que ce soit vraiment très subtil. Donc en commençant par la tête du sourcil, donc je vais venir vraiment en appliquer, vous savez, voilà, là où j'ai quelques petites irrégularités. Et on va venir hachurer sans trop appuyer. Il faut que ça reste vraiment le plus naturel possible. Et ensuite, on va venir brosser pour estomper la matière. Et encore une fois, voilà, rendre vraiment le résultat le plus naturel possible. Et on brosse. Donc on va enfin pouvoir passer à mon étape préférée, donc le mascara, parce que le regard c'est ça le secret. Donc on va commencer par l'étape numéro 1, donc je vais venir vraiment étirer les cils, les étirer un maximum, et avec l'étape 2, vraiment les rendre volumineux un maximum, et avoir un regard de superstar. On va venir vraiment faire des petits zigzags pour séparer tous les cils et les allonger un maximum. Ce qui est génial avec la brosse, c'est qu'elle épouse parfaitement la forme de l'œil en fait, et ça prend tous les cils avec les microfibres, et c'est vraiment génial. J'aime beaucoup ce mascara, vraiment. On va venir appliquer l'étape numéro 2 qui va vraiment fournir les cils et leur apporter un max de volume. Je ne vais pas en appliquer en ras de cils, donc c'est vraiment volontaire. C'est voulu. J'ai vraiment envie d'avoir un maquillage très subtil, assez marqué, parce que bon, c'est quand même le festival de Cannes. Mais pour moi, ça doit rester chic, ça doit rester très subtil. Donc du coup, je ne vais pas appliquer de mascara en ras de cils. Je veux vraiment, voilà, seulement recourber mes cils supérieurs et voilà, laisser ça comme ça. Je trouve que le résultat est très très bien. Je vais seulement venir prendre le crayon noir, donc c'est le infaillible gel crayon. Et en fait, je vais venir en appliquer seulement un ras de cils supérieur pour vraiment souligner le regard, l'intensifier. Mais encore une fois, ça reste très subtil. Je ne vais pas faire de thread liner ou quoi, je vais vraiment laisser ça comme ça.
Et voilà, j'applique seulement un peu de crayon. Et vous voyez que ça souligne tout de suite le regard. On va venir réchauffer son teint, donc je vais venir prendre la palette Infaillible Blush Paint. Et je vais venir cette fois-ci appliquer ces deux couleurs-ci. Je vais venir les mélanger. Donc ce sont des couleurs assez orangées, assez rosées, mais ça reste un peu dans les tons ambrés. Et je vais venir donc prendre les deux matières, vraiment enlever l'excédent. Donc je vais venir seulement réchauffer mon teint subtilement encore une fois, étant donné que le festival de Cannes se déroule à Cannes, donc dit Cannes, dit soleil, palmier, voilà, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose, voilà, un petit coup de soleil, un effet bonne mine, pas trop de contouring, voilà, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de très très léger. Donc je vais venir en appliquer sur le bombé de mes joues. Voilà, elle est juste ici. En remontant légèrement, tout en estompant. Donc vous voyez que ce côté-ci, voilà, on a vraiment une bonne mine, ça reste très léger comparé à ce côté-là. Donc on va venir bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Et je vais venir également en appliquer au niveau du front pour vraiment donner cet effet coup de soleil. Bon, on vient de vacances. On estompe bien. Et on redescend légèrement au niveau du cou. Voilà, si vous avez un petit double menton à camoufler, à cacher, voilà. On vient mettre l'excédent. Comme ceci. Donc voilà. Alors pour le maquillage, bien sûr, on n'en a pas encore terminé. Il nous manque les lèvres et j'ai décidé d'appliquer quelque chose d'assez nude. Dans l'esprit nude, et pour cela je vais vous présenter très rapidement ce magnifique coffret que L'Oréal m'a gentiment envoyé. Je vais vous faire une vidéo avec les swatchs parce que les couleurs elles sont trop belles. Et aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser le Lip Paint Matte Dead Lips que j'adore, et je trouve que la couleur va très très bien avec le maquillage que j'ai aux yeux. J'aurais voulu appliquer quand même un rouge à lèvres rouge, mais étant donné que j'ai les yeux assez chargés, toujours, on ne jure pas avec les yeux. Si vous faites un maquillage chargé au niveau des yeux, restez toujours nude au niveau des lèvres. Si vous faites quelque chose de très nude au niveau des yeux, sens inverse, vous mettez quelque chose de pétant, donc voilà, d'acheter du rouge, hein, par exemple, au Festival de Cannes, c'est vraiment la couleur idéale. Mais voilà, on peut rester assez nude tout en, voilà, tout en mettant dans l'élégance. Donc voilà pour la partie maquillage, maintenant on va passer aux cheveux. Donc pour le festival de Cannes, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas envie de me lâcher les cheveux et puis voilà, basta. Je vais faire un chignon élégant, simple à faire, mais vraiment très très facile à réaliser. Donc dans un premier temps, on va venir bien sûr se détacher les cheveux. Je vais venir prendre ma laque Elnette Satin, donc toujours de chez L'Oréal, donc c'est la Elnette, c'est la meilleure. Donc on va venir appliquer un bon coup de laque sur l'ensemble de la chevelure, la gainée. Donc on va venir prendre la mèche. Donc voilà, on va venir diviser ses cheveux. Je vais venir les enrouler dans un premier temps. Hop. Ensuite, on va venir prendre. Donc on va venir prendre ensuite une petite mèche juste ici. On va la laisser comme ça. Et le reste, on va venir l'ajouter à l'autre. Ok, et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on va prendre cette partie. On va venir prendre une petite mèche. Voilà. Et cette mèche-là, on va venir l'enrouler juste ici. Donc pour l'instant ça ne ressemble strictement à rien. Donc voilà. Et on va venir prendre le reste de la chevelure. Donc on va venir brosser le reste de la chevelure qu'on a préalablement bien laqué. Et je vais venir en fait les enrouler comme ceci, mais en ayant la main souple en fait. Et je vais venir ajouter la dernière mèche
Donc on va venir faire ça comme ça, donc on fait le temps. Et on va venir enrouler le cheveu comme ceci. Ensuite on va venir donc détacher les mèches qu'on a attachées donc, au début. Donc on va venir prendre la petite section de gauche et en fait je vais venir l'enrouler comme ceci. Et enfin je vais venir prendre la mèche du dessous. On va passer un dernier coup de lac. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne de l'arrière et voici pour le devant. Après vous faites comme vous voulez, si vous voulez laisser la mèche tomber ou voilà, moi j'aime beaucoup quand ça fait ramasser, voilà, on libère quand même le visage pour mettre en valeur quand même le maquillage qu'on a fait. Et en ce qui concerne les deux petites mèches qui restent là, on va tout simplement venir les boucler comme je disais pour rester dans l'esprit vraiment romantique.